J'ai un peu du mal à faire des bonnes games Milouz dans la méta, mais et du coup on atteint les 10K, ouais. Merci Potter de Best pour le Prime. Ouh oui, le beau start. Je pense que je préfère le... Plutôt le Murloc ou plutôt le robot toutou? Je pense que Murloc a un meilleur potentiel. C'est catastrophe. Ce placement était moins bien s'il y avait un Captain Peak, mais contre pas mal de créatures, c'était, je mettais plus de dégâts. Dans tous les cas, il me faisait jamais perdre ce placement, c'est l'essentiel. Oh, j'aime ça. Captain Peak pourrait être décent, mais j'ai déjà deux bons achats. Il va y avoir des tours où je vais rien. Ah, après, avec Milouz de manière. Non, mais si, je pense que le mieux c'est de faire. Hop. C'est les avantages qui te permettent d'avoir 4 choix de héros. Il faut que t'achètes le parcours de récompense version payante. C'est 15 balles, je crois. Bah là, il y a changement de plan, hein. Forcément. Olier, je se prépare pour demain. Oh bah j'imagine, oui. Après, si je suis en live, c'est juste parce que Olier a quand même droit à quelques jours de repos sur la semaine. Si c'est ça ta question, mais oui, j'imagine qu'il doit être bien préparé pour demain. Bon, faut dire, il a bossé 3 mois pour ça, donc. Je n'ai jamais douté de vous, pas une seule minute. Évidemment, on a boosté celui-là. Bon, c'est pas la fin du monde. On a envie de tenter un 5, hein, avec ceci. Trop de bons 5. Entre Bran et. Oui, il fait ça, mais il a même pas de carte en main en réalité. Si? Boum, moins 10. Eh ben, vous leur en avez fait voir de toutes les couleurs.
On prend ça pour bien booster lui. Ou alors on prend ça. Ça booste avec ceci. Ah, c'est pas mal ça. Prochain tour, up, vente de ça. Pose de ça. On regarde notre triple. Il y a eu une animation. Il avait rien dans la main. De toute façon, il pouvait pas avoir dans la main. Il a rush. C'est impossible qu'il ait eu un truc en main. Il a rush up et il a fait deux achats de taverne 3. Il avait forcément rien dans la main. Ouais, il y a de, trois mecs qui sont en train de mourir déjà là. Faut qu'on le pose celui-là. Oh. Tant pis pour le boost de ça, mais il faut que je pose le duo le plus tôt possible, je pense. Après, je peux faire les deux en soi. Vous êtes vraiment incroyable. On a été bon là quand même. Ah. Ça va le faire quand même. Faut qu'il meure lui. Parfait. Je pourrais juste poser lui. Hein. Y a pas forcément besoin de le grid. Ça reste une 12-20. Et on copierait Vanessa. On va voir ce qu'on copie. Là, de toute façon, faut roll. Copier Vanessa, ça peut être cool, hein. Prendre lui aussi. Ah, peut-être pas lui quand même. Oh, bah on va copier le duo surtout.
êtes vraiment incroyable. On va vouloir up, hein, parce que si j'ai un taverne 6 que je duplique, on est potentiellement trop trop bien là. On est vraiment trop 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 bien. J'ai tout vu depuis les coulisses, c'était magnifique, ça oui. Hop, level up. Allez, donne du lourd là. La chorale. Genre comme ça, on ramène lui dans la main, on ramène une autre chorale, ça me semble pas mal. Et en plus, il duplique à sourd, bah ouais, pourquoi il le ferait pas? Mais oui, quand tu touches deux duos, c'est trop fort, la carte est un peu stupide à ce niveau-là. Exotique la compo? Ouais, moi je dirais très forte la compo. Malgré un premier trip qui a été clairement décevant. Vous vous en sortez très bien, ne changez rien. Ah, le truc c'est qu'il booste ses créas en main, mais il a pas de quoi les invoquer si je dis pas de bêtises. Donc c'est bien beau, hein. Il a des trucs bien bien boostés dans la main. Pour sa prochaine game, ça va être utile. Alors... Pendant ce temps, on enchaîne, on a toujours pas perdu de PV. Bon, tout ce qui pire... Ça va dégager... De toute façon, il faut des murlocs à jouer là. Oh mon dieu. De nos coffres à votre portefeuille. C'est un peu pornographique ce qui est en train de se passer. Oh! Faut m'arrêter là! Ouais, je suis d'humeur à tenter ça là. Dommage. Ah mais là c'est vraiment pas bien ce qu'on fait. Donc là on va copier... Avec le duo. Et ben, vous leur en avez fait voir de toutes les couleurs.
C'est gros stat, gros body. Moi vouloir gros stat. Celui-là, c'est un dur à cuire. Est-ce qu'on copie E2 ou est-ce qu'on copie lui histoire de le refoutre dans la main? E2 c'est marrant parce que ça fait une autre chorale. J'aurais éventuellement bien aimé refoutre lui dans la main, mais bon. On avait aussi l'option de copier lui plus lui. Est-ce qu'on va se débarrasser du duo après? Je crois pas, hein. Ah, j'aime bien quand même faire ça. Je sais que vous n'allez pas trop aimer, mais... Vous me pardonnerez. Ouais, je vais pas le poser, lui, hein. L'objectif c'est d'avoir un très gros truc en main, mais le truc c'est que lui il était un peu décevant sur le board. Donc, j'aime bien l'idée de m'en débarrasser. Alors, ça va là. On pourra le mettre à la fin du tour, cela dit. Ça peut nous permettre de booster les futures créatures qu'on gardera en main. Bien sûr que vous êtes au sommet, qui d'autre que vous ? En vrai, il a une compo relou un peu. Il a quoi ? Il a des... What ? Qu'est-ce que... Ah, je suis content qu'il meure lui parce que il mettait en place des trucs vraiment pète-couilles. Je n'ai jamais douté de vous, pas une seule minute. Oh lui c'est banger là.
feu, celui-là. Oh, attendez, il y a du sale là. Il y a du sale à faire là. Oh gosh. On va probablement pouvoir se débarrasser du duo maintenant. Il aura... Je pense qu'on peut dire qu'il a fait son taf. Il faut bien commencer quelque part. Moi, j'ai commencé dans une flaque de boue. On a vite trop de serviteurs, mais on n'a jamais trop d'or. Oh. Do you like my board? Je crois que c'est la game la plus incroyable, non seulement que j'ai joué évidemment de Murloc, mais que j'ai vu de Murloc. On a tout fait. Oh, ils veulent pas mourir. Sérieux? Je pense qu'on va aller foutre lui. Bon, de toute façon, un joueur d'Elem, il peut rien faire. Le joueur de Murloc... on va juste mettre trop de trucs, hein. Je vois pas ce qu'il va pouvoir faire non plus. Je dis, il va rien faire, et ça se trouve, il est encore plus colossal que moi. Il va me calmer. Je pense pas en avoir besoin contre lui.
Mais contre le suivant, ça peut peut-être être cool. Moi, ça m'a l'air pas mal. Quoi? Le mec n'oppose pas de résistance? Petit effort, quoi. T'as pas voulu tuer les Leroy. On a vite trop de serviteurs, mais on n'a jamais trop d'hommes. Ça ne vous a pas plu? J'aime pas ce qu'on fait là. On peut... Hop, j'imagine. Hop, viens par là, toi. Oh, un autre comme lui? Oh, déçu! Tellement de malchance! En vrai, héroïne pour start, c'est pas mal. Bien sûr que vous êtes au sommet, qui d'autre que vous? Il est un peu léger, lui. C'est du 100% que je vois là. Presque, à peu de choses près. Pourtant on a des grandes 200-200 qui partent au charbon dans des toxis, mais rien à foutre. Pouah, au revoir petite game. Au revoir. Oh, ça c'est le genre de game, faut s'en souvenir. Les jours où ça va pas, il faut se rappeler que cette game a existé quoi. Bah le duo. Hein.